Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique. Et bienvenue dans ce 24e épisode de notre aventure sur Alles Madness Returns. Et donc, on continue. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans la ruche des abeilles, bien que ce soit complètement débile quand on y pense, parce que ce sont des guêpes et non pas des abeilles. Et, enfin bref, toujours est-il qu'il y a plein d'alvéoles, donc automatiquement, ça me fait penser à des abeilles et à une ruche. Alors, pourquoi garder captives des fourmis? Pour les faire bosser à leur place, éventuellement. Pourquoi est-ce que je peux pas les libérer? Ça, c'est une question qui reste en suspens. C'était joliment dit. En fait, les bruits chelous que j'entends, c'est juste pour la bande-son. C'est même pas un truc pour nous signaler un ennemi. Ouh, le dernier groin. Le dernier groin, parfait. J'essaye de regarder un peu dans le tour, des fois que je suis en train de louper quelque chose. Ok, en tout cas il est bien caché le dernier groin. Il me manquera plus qu'une seule radula et ça a tout l'air de ressembler à une arène tout ce bordel. C'est quoi cette tête qu'on voit? Bizarre. Je vais aller récupérer la dent qui traîne ici. Ainsi que celle qui traîne ici. Tac. Je vais essayer de viser le groin quand même. Merde, c'est pas avec ça que je vais viser. Ah, c'était pas le moment. Voilà, parfait. Impeccable. Et the hell is that? Je sais pas. Ah, je le savais. Oh putain. Ah. Oh, cette esquive que je t'ai mis dans les dents. Tiens, bouffe! Mais bouge de là, Alice, putain! Ah, mais chiant! Je me fais stalk par ces alliés, là. Ah, putain, j'en profite. Attends, je vais en profiter pendant qu'il est stun. Ah, mais il est mort. Ça va plus vite. Voilà. Ah merde. Tcha 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 tcha. Loupé. Oh putain, il m'a touché quand même, ce bâtard. Voilà. Assaisonné la gueule, pour ainsi dire. Et du coup, c'est quoi qu'il y a dans cette cage là? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc, non? Non, pas vraiment, non. J'avais cru voir quelque chose en bas. Non, ce n'était juste une simple lueur. Ok, je vais déjà aller là. Dis-moi que c'est la seule radula. Oula. Ok. On va faire comme si on n'avait rien vu. Ouh, le dernier souvenir. Putain, je les aurais tous eus, ça fait plaisir. Malheureusement, les photographies d'animaux ne sont jamais aussi nettes que lorsqu'ils sont déjà morts. Pardon. L'art fait souvent souffrir ces modèles. Pardon. C'est dégueulasse.
Si, si, c'est dégueulasse. Tac. Ouais, du coup, pour la salle radula, tu repasseras. Bon, bah, ok. Ok. Et ce truc là il est bizarre là, pourquoi... Ah merde! Comment ça c'est que je peux pas le buter ce truc? Ouais, il y a deux ou trois petites choses qui m'échappent quand même. Ta gueule, l'espèce de crapaud dégueulasse là, il m'emmerde celui-là aussi. Bah non, mais il fait du bruit, il m'emmerde. Oula. Ça sent pas bon du tout. Oh non, pas encore une plateforme de merde comme ça. J'aime pas, c'est chiant. Bon, bah vu qu'on n'a pas le choix. Une voyageuse solitaire menant une quête personnelle arriva dans cette contrée désolée. Elle, malgré son ignorance, ses doutes et la tristesse de sa propre vie, ne put les laisser souffrir ainsi. Elle commença à se battre contre ces féroces assassins, ces brutes, sans savoir vraiment pour qui ou pourquoi elle le faisait, ni comment cela se terminerait. C'est pas faux. C'est joliment dit. C'était gratuit. Ah, tu crois que je l'avais pas vu? Hein? Tu croyais que je l'avais pas vu? Non mais... Oh. Comment je fais pour la voir celle-là? Falloir que je trouve un moyen de passer au-dessus et de faire demi-tour. Il n'y en a pas une là-haut, non? Apparemment, non. Qu'est-ce que... Joli! Attends, il y a une dent là. Bah alors, je sais pas pourquoi elle est pas restée dessus. Non, c'est pas parce que j'ai tout poussé le joystick. C'est même pas vrai d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Pas de panique, pas de panique. Ah! Mais c'est flippant ce truc, tu sais pas où ça va aller, ni comment, ni pourquoi. Bon, c'est le but, hein, tu me diras, mais bon. Ok. Et je vais mourir. Oh la vache! Ça passe quand même pas très 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 loin, hein. Ah putain, mais à chaque fois j'oublie de récupérer la dent. Bon, il n'y en a qu'une, tu me diras. Mais c'est toujours une de plus, hein. On va pas cracher dessus non plus. En même temps, le jour où tu vois un homme cracher sur une dent, c'est qu'il a un souci quelque part. Oh putain. Non, non. Je l'ai vu venir, c'était obligé ça. Je vais me la reprendre dans la gueule. C'est quand tu veux. Ça va, ça passe. Pourquoi je suis allé là, je sais pas.
Oh putain, mais moi je vais droit dessus quoi. Le mauvais, le mauvais. Le mauvais Nécros. Ça, ça passe. On va activer la chaîne, pardon. Est-ce que ça les annule? Non, elle annule que dalle. Les jolis passages secrets que personne n'aurait osé prendre. Princesse Pêche. Oh, Peach, calme-toi. Calme-toi. Juste parce que j'ai ramassé 4 pêches, le mec, ça veut dire que je suis la princesse Pêche. Détends-toi, le mec. Détends-toi, je te dis. Et elle sert à quoi, cette plateforme? Absolument à rien. Nécros qui stresse et qui fait n'importe quoi, tu sais. Y'a quoi de ce côté-là? La mort. Non, mais je teste! Je teste! Laisse-moi tranquille, je teste. Plateforme! You! Reviens, s'il te plaît. J'ai besoin de tes compétences. Merde, j'ai fait bugger le jeu. Come on, bitch! C'est quand tu veux. Bon. Mais en fait, non, mais... Putain. Bon, on va attendre qu'elle redescende. C'est terriblement lente, en plus, cette saloperie de plateforme. Faut en profiter pour boire un coup, hein, pour en faire de même. Ah non, je peux rien faire tant qu'elle est pas là, de toute façon, donc... En même temps, t'arrêterais de tomber comme un débile. Elle serait tout le temps là, connard. C'est pas faux. Je comprends pas, parce que la plateforme va plus vite que moi, alors quand je saute, ça ne sert absolument à rien. Hein, on l'a tous vu. En fait, il suffit juste de se mettre à l'extrémité, et puis ça ne devrait pas me toucher. Voilà. C'est quand même au poil de cul près, quoi. Et c'est à peu près tout. Ok. Non, mais quand on connaît le truc après, c'est tout simple. Ah, enfin. On se barre d'ici. Pareil, ils auraient pu prendre la peine de designer la robe qu'elle a actuellement. Quoi. Ah, celle-là. Non, je sais pas. Le mec, il prend encore le soin de critiquer, tu sais. Qu'est-ce que... Bon, en attendant, j'ai toujours pas eu ma salle radula, moi. C'est fait exprès, cette espèce de... Shell-shelling. Je pense que c'est fait exprès, de toute façon, ça va pas être un bug. Je regarde des fois que l'entrée... Non. Ok, bon bah j'imagine qu'elle doit être un petit peu plus haut. Là, c'est la seule chose qui me manque. Ouais, c'est sympa ce design là. J'aime bien. Et donc, du coup, nous arrivons au sommet de cette foutue montagne. Eh bah putain! Il aura fallu quand même un paquet d'épisodes pour pouvoir y arriver. Par contre, c'est stressant le fait que ce soit tout en noir et blanc comme ça. C'est stressant et terriblement déstabilisant. Non, mais je visite avant. Je visite. Je te rappelle qu'il me manque une salle. J'ai pas envie de la louper. Et là, de toute façon, je peux pas y aller. Bon. Au moins. La question ne se pose même pas. C'est complètement glauque cette ambiance.
Ok. Ah, enfin. Mais t'es vivant? Non, j'ai pas l'impression en fait. Donc voici, chers amis, ce qu'ils appellent le bon Bix. Moi, je vais l'appeler Absolem, parce que c'est un nom qui lui va pas trop mal au final. Donc c'est Absolem, c'est le ver à soie qui se transforme en papillon au bout d'un certain temps. J'ai fait tout ce chemin pour trouver un simulacre. Oui. Si j'en avais le temps, je te démontrerais pourquoi les illusions sont préférables aux choses réelles. Tu décides d'ignorer un problème pour le faire disparaître. Tu nies la réalité. Ce n'est pas vrai. Je sais ce qui est réel. Non. Et tu permets aux autres de te dire ce qui ne l'est pas. Bien, entre. Pardon. Ah, c'est comme ça que tu reçois tes invités, toi, en fait. Oula. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle le Bombix, en fait. Parce qu'il est en cocon et il s'apprête à se transformer en papillon. Ok. Mes souvenirs sont en ruine. L'injurieux train roule sur le rail de ma démence. Le pays des merveilles s'efface avec ma mémoire. Tout a changé. Je dois d'abord me sauver pour sauver les merveilles. Mais bien sûr, tout change. Mais tu prends les choses à l'envers. Sauve le pays des merveilles et tu te sauveras peut-être. Le charpentier préparait quelque chose, mais il se cachait du réel. Ton objectif à toi est de l'accepter. Où dois-je aller? Que dois-je faire? Tu dois servir la reine, Alice. La reine, dans tous ses caprices, doit être satisfaite. D'accord. Je pouvais pas courir, en fait. C'est pour ça que je marchais tout doucement. C'était pas de ma faute. Bon, bah, je crois que je me suis fait baiser ma salle radula. Ça fait chier. Je suis terriblement déçu. Terriblement désappointé. Bon, eh ben tant pis, hein. Écoute, hein, c'est fait, de toute façon je peux pas revenir en arrière. Enfin si, je peux, mais je vais pas le faire. Parce que j'y trouve aucun intérêt. Que tu es laid. Que peut-elle faire pour m'aider ou pour arrêter ce mal? Que pourrait-elle savoir que j'ignore? Jadis, tu l'as connu et aimé. Le temps nous affecte tous. Le temps joue contre nous. Souviens-toi quand tu trouveras la reine. Dans une prison que sa sortie. C'est joli. Choc de civilisation. On ne se dispute bien qu'à plusieurs. Bah oui, 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 en même temps. Par vent violent, même un bateau sans voile peut s'agiter. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Pourquoi ça me dit ça? Pas complètement bugué là, non? Hé, hey, vous là, ça suffit comme ça. De quoi? Tu deviens inhabitué, Alice. Elle a fait quoi, Fred? À hurler à la main dehors, à marmonner quelque chose à propos d'un meurtre, à insulter les insectes et les voies ferrées nationales. Vaut mieux les calmer, pas vrai? Non, 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 non. Dangereuse pour elle-même, inoffensive pour les autres, à mon avis. Rien à faire en prison. T'as raison, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle, alors? Relâche-la, Fred. Qu'elle retourne chez Bambi. Il a pas aimé qu'on la garde la dernière fois. Ah ouais, vraiment? La nuit où Splatter, cet enfant de putain, s'est fait passer pour ses exploits devant la sirène, je raccompagnais Alice et... Hein, on a croisé deux bleus qui tenaient le Jack. Il vociférait comme d'habitude, il se débattait, il braillait, puis il a vu Alice. « C'est à cause de cette pute !» il a gueulé. Elle lui a répondu « Ordure, misérable, profiteur du labeur des autres, etc. etc. » Je dois dire que j'admirais son aplomb. Puis elle est tombée dans les pommes d'un seul coup, sans raison. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Qu'il aurait ma peau et celle de mon boulot. Comme si j'aimais cet endroit. Et pour ma peau, ma femme s'en charge. Bonne nuit, Alice. Tu connais le chemin. Bah, en fait, non. Parce que moi, je suis jamais venu ici.
En tout cas, merci à vous, messieurs. C'est très aimable à vous, je dois l'admettre. En même temps, abandonner une pauvre jeune fille comme ça dans une geôle, c'est dégueulasse. Quand il sera sobre, il ira de lui-même en prison. Ses camarades de cellule n'aiment pas l'odeur du vomi. Vivre dans la rue reste plus difficile que de passer ses nuits sous les verrous. Oui, si, ça se tient. Hein. Parce qu'au moins en prison, t'as un lit, t'as de la bouffe, t'as des clopes pour certains, pour les ceux qui s'en sortent. ça ne dit pas où est la sortie, par contre. Donc apparemment, c'est pas sa première visite en prison. À force de gueuler à tout va dans la rue en même temps, tu me diras, j'ai l'impression que ça a bugué, là, non? Les charges, c'est pas ce que je suis en congé. Pourquoi cette fois? Exhibitionnisme, combat de coq, outrage à agent. Normal, quoi. Signe là, si tu peux. Je sais pas, c'est moi ou... Non, mais j'ai vraiment l'impression que ça a bugué, parce qu'en fait, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Barrez-vous! Barrez-vous, putain! C'est pas vrai, ça. Bon. Je me casse d'ici. Oh, le chat! J'en ai marre de suivre les boules de poils. Qu'est-ce que... D'Alice? Ça a pas l'air d'aller. Je ne m'approcherai pas de ces cages. Non, non, non. Ça n'est même pas la peine d'y compter. Bon, là, je peux courir, mais c'est moi qui marche comme ça. Parce que c'est classe. Voilà, tu fermes ta gueule, c'est classe. C'est tout. Et ce cœur rouge ne m'annonce rien de bon. Non. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh mon dieu, lâche-toi loup! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Oh putain, d'accord, ouais, c'est là. C'est... Ok, oh c'est joli, c'est sympa, c'est sympa. Ça annonce la descente dans le pays des merveilles. Calme-toi. Oh, le château de cartes. Bien. Très sympa. Donc, du coup, on est de retour dans le pays des merveilles. Et ça fait bizarre de voir une partie du pays des merveilles en bon état, on va dire. Si je tombe, ça fait quoi? Bon. Non, on sait jamais, des fois qu'il y a une chute infinie et que ce soit la fin du jeu, comme ça, pleine paix. Ok. Et donc ce serait le château de la Reine de Cœur, tu crois, ça? Parce qu'en tout cas, si c'est ça, c'est super. C'est... Non, mais si, c'est génial. Un château de cartes comme ça, véritablement, ça, c'est classe. Moi, ça me plaît. Pont de cartes. Et j'entends un groin... L'entends seulement, par contre je vois pas où il est. D'accord, il était invisible. Putain, amuse-toi pour le voir celui-là. Ça va être par là. Parfait. Et du coup on a atteint le chapitre 4 là où... Ah putain, on a atteint le chapitre 4. Et ben j'ai loupé une sale radula dans le chapitre 3, ça fait chier. Tant pis. Bah oui, tant pis. En tout cas, je vois un premier souvenir juste là-haut.
J'aurais brisé son cœur, joué avec ses sentiments. Oh mon Dieu, il m'a touchée. J'ai dit à papa de ne plus l'inviter chez nous. Est-ce qu'elle parle de Lewis Carroll? Enfin, de Carroll Lewis. Putain, j'ai du mal à le dire dans le bon ordre, ça, c'est incroyable. Je vois les plateformes invisibles, alors. Oui. C'était très dangereux, ce que je viens de faire. Wait. Attends, je vais retourner là, juste pour chercher ça. Ouais, mais... Non. Ok. Oui, donc oui, je disais, parce que du coup je me suis perdu dans ce que j'étais en train de dire. Le souvenir qu'on vient d'entendre là, j'arrive pas à savoir si ces souvenirs parlent de la vraie vie qu'ont eu les Lidl. Filles en tout cas, je parle. Attends, je vais me mettre bien au bord pour récupérer celle-là. Et je suis trop loin. Ça va être chaud à gérer, ça. Ok. Oui, les souvenirs, là, j'ai du mal à savoir si c'est en rapport avec le jeu ou si c'est en rapport avec la véritable histoire des Lidl. Parce que le souvenir qu'on vient d'entendre, ça voudrait dire qu'on a dû entendre l'une des deux sœurs d'Alice, la véritable Alice Lidl, hein, je vous rappelle. Comment je la récupère, celle-là? Ouais, même principe que l'autre, j'imagine. Attends. Ok. Oui, et donc à ce compte-là, voilà, ce serait en rapport avec... comme je viens de dire, l'une des deux sœurs d'Alice Lidl qui était aussi en contact avec Carroll Lewis. Lewis Carroll, Carroll Lewis, putain, j'ai un énorme doute. Non, Lewis Carroll, c'est bien ça. J'ai terriblement du mal avec ça. Et justement, c'était une de ces deux sœurs qui s'était plaint à ses parents parce qu'il les avait touchés ci et là. Hein, je vous dirai pas où, à quel endroit spécifiquement. Je pense que vous l'avez très bien compris vous-même. Et c'est à ce moment-là que justement que les parents des parents Lidl ont décidé de porter plainte contre Lewis Carroll et de l'interdire tout simplement de s'approcher de leur fille. Bon, ça c'est l'un des problèmes majeurs qui était apparu dans toute cette histoire, mais bon. Oh putain. Oh putain. C'est classe. Putain, c'est génial. J'adore ce niveau là. Et j'entends encore un groin. Là. Là, c'est très relaxant parce que c'est cette petite musique toute douce là. Il fait bizarre d'ailleurs, ça change. Oh putain de merde, elle a failli pas sauter. Et cette carte là, en fait, elle m'emmène là-bas pour rien, bien d'accord. C'est juste pour faire chier quoi. Ça m'a tout l'air d'être ça. Par contre, ce château de cartes est très beau, hein. Je vous mets au défi de refaire le même. Sérieusement. Je vous mets au défi de faire le même. Mais il m'a l'air un peu petit pour une reine comme la reine de cœur. Oui, parce que dans la cinématique qu'on a vue précédemment, il y a Absalem là, qui disait à Alice... je me rappelle plus des paroles exactes, mais il lui a dit genre vous étiez amis avant ou un truc dans le genre. Et oui, c'est le cas en fait, hein, pour ceux qui auraient suivi un petit peu ne serait-ce que le conte original, voire même le dessin animé de Disney, quand Alice arrive dans le Pays des Merveilles, l'une des premières choses qu'elle fait, c'est d'arriver au château de la Reine de Cœur.
Et elle se lie d'amitié avec elle parce qu'elle ne la connaît pas au premier abord. Elle la voit en train de jouer à son jeu favori qui est le jeu de je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est du cricket en fait. Sauf que au lieu de tenir un... Comment ça s'appelle d'ailleurs ça? Le marteau, l'espèce de marteau du cricket là. Ça a un nom, je sais plus. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et au lieu de jouer avec ce marteau là, en fait, elle joue avec un flamant rose. Non mais me demande pas pourquoi. C'est la reine de cœur, faut pas chercher. Et Alice, ça la fait rire parce qu'elle trouve ça bizarre. Et d'ailleurs, les grosses boules sur lesquelles était censé taper sur le dans le jeu de cricket, c'était pas des boules de pierre, enfin de bois, mais des hérissons, je crois, ou un truc dans le genre, des espèces de bestioles bizarres, maltraitées bien entendu, hein, sinon ce serait pas drôle. Et donc du coup, c'est vrai qu'après, elle se lie d'amitié avec la reine de cœur, machin, jusqu'à ce que ça parte en couille. Enfin bon, je vous raconte pas ça, tout le monde sait, est au courant, tout le monde sait de quoi il s'agit. Bref, avant de continuer plus loin, chers amis, moi je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir regardé, en tout cas. C'était un grand plaisir de l'avoir tourné en votre compagnie. Et donc, dans le prochain épisode, on s'aventurera un petit peu plus profondément dans ce délicieux château de cartes qui est magnifiquement bien représenté, je dois l'avouer. Voilà, sur ce, chers amis, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien comme d'habitude. Allez, bye bye.